ce vlog, on est dimanche, alors je crois qu'on est dimanche 20, donc on est parti hier en Dordogne. Bon, je suis pas toute seule dans la maison, donc j'espère que le bruit, le micro prendra bien uniquement le son de mon micro. J'ai pas énormément avancé sur mes tricots et sur mes lectures, vous en doutez, je vous ai montré hier, j'ai fait plein d'inserts. On est allé à Sarlat, donc je vous ai montré plein de petits bouts de Sarlat. Aujourd'hui, on va aller à Lascaux, donc je vous montrerai. Moi, je suis jamais allée à Lascaux. Du coup, je suis super contente de découvrir. Alors, j'ai pas beaucoup avancé sur mon tricot. Je suis arrivée ici, je suis toujours sur ma manche, donc je vais essayer de l'avancer un petit peu. Mais c'est vrai que bon, bah là, on est surtout sur des visites et de la balade. Il fait pas hyper beau aujourd'hui, mais dès demain, ça va se lever, donc c'est cool. On va profiter un maximum de l'extérieur. J'ai pas trop non plus avancé sur ma lecture. J'ai continué sur la faucheuse, donc là je suis arrivée à la page 330. Comme d'habitude, ça se lit très très vite, mais je sais pas si j'aurai de quoi faire un update lecture mercredi, enfin mardi. Donc du coup, je sais pas s'il y a une vidéo qui va sortir mercredi. Je vais réfléchir. Voilà, peut-être qu'il n'y en aura pas pour la première fois. Il n'y aura pas de vidéo d'update, mais bon, c'est comme ça. Je voulais également. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, je n'ai pas reçu mes livres avant de partir. J'ai pas reçu les livres de la grande maison d'édition dont je vous ai parlé. J'ai vu qu'ils étaient arrivés chez d'autres personnes, mais bon, ils arriveront, je pense, demain chez moi. Sauf que j'y serai pas, donc je vous le montrerai, comme je vous disais, dans le prochain vlog. Mais je vous en parlerai évidemment un peu plus dès que j'en saurai un peu plus. Je ne vais pas vous en dire plus pour ce matin. Je vous montrerai, je pense, tous les jours, je prendrai pas mal d'inserts. Je suis pas sûre de. Je vais essayer de vous prendre tous les jours, au moins pour parler un petit peu, pour vous expliquer ce que vous voyez comme insert. Mais je suis pas sûre de parler énormément. Bon, bref, on verra quelle forme prendra ce vlog de vacances. C'est la première fois que je le fais, on verra bien. À plus tard. Coucou, je vous reprends. Alors, on est lundi. Lundi 20, je crois, ou 21. Alors, en fait, j'ai fait le montage hier soir. Et finalement, le montage, je ne l'ai pas fait comme je vous l'ai présenté. C'est-à-dire que je vous avais dit que j'allais aller à Lascaux. Et en fait, j'ai monté la journée de samedi, donc Sarlat, et j'ai monté en suivant la journée de Lascaux. Donc du coup, il y a ce que je vous ai dit ensuite, c'était entre les deux, quoi. Bref, je ne sais pas si c'est très clair. Donc hier, on a été à Lascaux, donc c'était Lascaux 4, c'est une reproduction de la grotte de Lascaux, parce qu'on n'y a plus accès depuis 1968, je crois, ouais, je crois que c'est 68. C'était super intéressant, c'était très, très immersif la façon dont c'est présenté. Et enfin, ça nous fait nous sentir tout petits et se rendre compte que l'homme n'a pas énormément changé. Donc, c'était vraiment super intéressant. On a eu un temps mitigé, mais voilà, c'était après, vu que c'était en intérieur, c'est pas très grave. Hier soir, j'ai bouquiné un petit peu, j'ai avancé sur la faucheuse. Donc, je suis à la page 427. J'ai pris la décision, alors quand le vlog sortira, vous l'aurez bien vu, de ne pas tourner l'update parce que j'ai pas assez de matériaux en fait. J'ai pas assez de matière, on va dire, pas de matériaux, de matière pour filmer l'update. Et j'ai pas envie de filmer pour filmer. Donc, tant pis, je vous ferai un plus gros update la semaine prochaine. Mais là, clairement, normalement, je le tourne le mardi, donc c'est-à-dire demain. D'ici là, j'aurais pas terminé la faucheuse. Ou peut-être que si, mais je vais pas tourner que sur la faucheuse, je trouve ça un peu triste. Donc, je ferai plutôt une plus grosse vidéo la semaine prochaine. Je l'ai bientôt terminé, c'est super et c'est très surprenant. C'est très surprenant et j'essaie de voir un petit peu ce qui a pu me manquer dans les livres Pocket, enfin pas Pocket forcément, mais jeunesse ces derniers temps. Et là, je le ressens pas forcément. Donc, même si on est centré sur peu de personnages et qu'on voit pas forcément l'univers autour, on a quand même des éléments qui nous amènent ce qui a pu se passer par le passé et ce qui peut se passer autour. Je viens de remettre le micro, j'espère que le son jusqu'à maintenant n'était pas trop pourri. J'ai pas du tout avancé sur le sorceleur parce que je lis le soir et que ou un tout petit peu le matin et que comme je suis pas forcément méga concentrée, je lis plus facilement la faucheuse. Mais quand je l'aurai terminé, je finirai le sorceleur. Je tricote un petit peu en voiture comme vous avez pu voir, donc j'ai pu avancer ma manche. Voilà, on voit pas si on voit là. Je pense que je l'aurai la manche, la bauche, je vais la terminer aujourd'hui. Clairement, puisque là, je ne l'ai pas essayé. Je l'ai essayé hier, mais j'étais pas loin de la fin. Donc, je vais terminer la manche aujourd'hui, ce qui veut dire que je vais être dans les temps par rapport au test. Et j'ai tricoté un petit peu aussi hier de mon Avena. Je crois que ça s'appelle l'Avena de Jennifer Steingass. Donc, j'ai un petit peu avancé sur mon jacquard. Ouais, bah, en fait, vous voyez pas grand-chose parce qu'il y a le reflet. Ce que je ferai, c'est que. C'est nul ce que je fais. J'ai pas de lumière. Alors, c'est très rigolo parce que j'ai la lumière de l'extérieur là et la lumière. De la lampe là, donc ça fait couleur froide et couleur chaude. Voilà, je suis
super intéressant comme analyse. On voit pas, mais je le prendrais mieux. Je le prendrais peut-être en insert parce qu'à plat on le voit bien. C'est beaucoup plus joli. Aujourd'hui, on va aller ce matin, on va aller visiter un parc animalier, enfin un parc, le parc du Thoth. Et puis après, on va aller voir le musée de la Préhistoire cet après-midi. Il fait beau, donc on va en profiter pour vraiment faire de l'extérieur. Je vais jouer un petit peu. J'ai joué un tout petit peu hier, enfin j'ai joué une demi-heure hier de corps. J'ai repris un petit peu le corps. Bon. J'ai pas les capacités, j'ai pas repris la totalité de mes muscles du masque, mais le masque, c'est cette partie-là dans l'instrument, enfin dans la physionomie de l'instrument, mais ça va mieux. Voilà. Après, je tousse encore un peu, mais bon, ça va. Voilà. Ça m'empêche pas de jouer. Bref, je vais vous laisser parce que je vais jouer et qu'après, on va partir. À plus tard! Je vous reprends, on est mardi 22. Alors, je crois bien qu'on est mardi 22. J'ai regardé avant, mais bon, c'est pas grave. Bref. Alors, la luminosité est toujours pas terrible, terrible, parce que je suis toujours en vacances et donc j'ai pas pris mon trépied. Je vous ai pas expliqué en fait. Je voulais vous prendre, je voulais absolument avoir fini ce que j'étais en train de faire avant de vous prendre. Aujourd'hui, c'est une journée off. On a décidé de pas faire de visite parce que on a quand même pas mal visité hier. Parce qu'hier, on a fait le parc du Thoth. Alors c'était un tout petit parc. C'est un parc animalier, mais en fait dans lequel il y a les animaux qu'on trouvait à l'époque préhistorique. Donc vous voyez, c'est pas, il y a très peu d'animaux. Je vous ai montré un insert. Bon, c'est vrai que la partie avec les loups, elle est un peu triste parce que c'est pas très très grand et bon, ils sont que trois, mais ils sont un peu grassouilles quoi. Voilà. Après c'est pas, moi je suis pas une grande fan des parcs animaliers. Et là en fait, c'était surtout le parc servait en fait. De prétexte pour montrer les animaux préhistoriques, donc il y en avait peu. Ce sont des animaux qui n'ont pas été, qui sont pas, enfin qui sont de la région quoi, du coin. Voilà. Je sais que j'avais un parc animalier que j'avais beaucoup aimé qu'on avait vu il y a 2 ans avec mon compagnon et ma fille. On avait vu le parc de Gramma où là c'est beaucoup plus gros et là c'est quasiment une réserve. Donc on a fait ça, ensuite on a vu le musée de la Préhistoire qui était super intéressant. On a eu la chance quand on était aux Aisy, là où il y a le musée de la Préhistoire, d'avoir un peu de soleil. Donc on a pu un peu se balader, c'était vraiment très chouette. Donc aujourd'hui on a dit bon, on fait une journée off, demain on refera des visites, mais aujourd'hui c'était vraiment la journée tranquille. Donc j'ai fini la faucheuse,
J'ai fini la faucheuse. Alors j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je suis dessus, mais c'est juste que je pense que j'ai pas regardé sur Babelio, mais j'ai dû mettre peut-être 3 jours de plus que si j'avais été chez moi et que j'avais fait que j'avais eu plus de temps de lecture, quoi. Voilà, c'est pas très grave, c'est même pas grave du tout. J'ai beaucoup aimé La Faucheuse. Comme je vous ai dit, j'en parlerai dans l'update lecture, mais du coup de la semaine prochaine qui sortira après ce vlog. J'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel on est plongé, qui est une dystopie super, super déstabilisante, parce que finalement, l'être humain a réussi à vaincre, si j'ose dire, la mort. Et donc on se retrouve où tout est déstabilisé, en fait, tout est. On sait plus trop quelle est la raison de vivre, parce que en fait, il n'y a plus de fin. Donc en fait, ça change beaucoup de choses. Il y a des choses qui n'existent plus. Par exemple, le meurtre n'existe plus. Enfin bon, j'en parlerai mieux dans l'update, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai fini cette lecture-ci, qui était dans ma pile à lire de février. J'ai pas du tout fini. Je vais reprendre aujourd'hui Le Sorceleur. Donc j'ai pas avancé, hein. J'en suis à la page 205 sur 376. J'aimerais vraiment le terminer. Fin février. Je voudrais terminer rapidement la série du Sorceleur. Je suis dessus depuis trop longtemps. Et du coup, je vais lire en suivant. Je pense que je vais attaquer celui-là en suivant. Je vais peut-être le lire en parallèle. Je ne sais pas, je vais voir. Au niveau de mes tricots, j'ai fini la manche de mon Lady Rose, qui m'aura prise pas plus de temps que d'habitude, sauf que les manches, ça me paraît toujours extrêmement long. Surtout la première, parce que j'arrête pas de m'arrêter. Je m'arrête souvent pour. Elle est hyper longue en plus. Elle paraît hyper longue, mais elle l'est. Je m'arrête tout le temps pour l'essayer, pour vérifier s'il est à la bonne taille. Vous avez une luminosité particulièrement pourrie. Je vais essayer de vous rapprocher la lumière, mais ça marche pas du tout. C'est pourri. Bon, c'est pas grave. Je vais donc relever les manches pour. Enfin, pas relever les manches, mais je vais récupérer mes mailles. Et bon, après, je donne pas de détails sur le patron, mais je vais continuer la deuxième manche. Je la continuerai ce soir. J'ai continué un petit peu aussi mon avenat. Ça c'est pareil, je pense que je fais un rang par-ci, enfin je fais 2-3 rangs à peu près par jour, je me presse pas parce que ça c'est un projet qu'on a en commun. J'aimerais bien attaquer j'ai pris mon livre de 52 Weeks of Socks dans lequel j'aimerais bien prendre un patron du coup en anglais pour faire des chaussettes parce que j'ai un kit à chaussettes de Squirrel. Donc je vais peut-être attaquer une paire de chaussettes. Et voilà. Et demain, comme on va reprendre des visites, je tricoterai un petit peu entre deux trajets, ma manche. Et puis voilà, je sais plus ce qu'on fait demain. Si je crois qu'on va aller voir, on va essayer d'aller voir un jardin, les jardins d'Erignac, parce que j'avais déjà fait marquer ça, que j'avais adoré. Donc on va faire les jardins d'Erignac et peut-être un château. Mais comme ça fait plusieurs fois que je viens, je commence déjà à avoir fait pas mal de châteaux dans le coin. Mais voilà, on va essayer de. Après, on est en vacances de février, donc il y en a plein qui sont fermés. Mais bon, on fera avec ce qu'il y a. Vous verrez ce que ça donne. J'ai vu également qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Enfin, beaucoup, beaucoup, tout est relatif, mais je trouve à la hauteur de ma chaîne qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, de toute façon, vous verrez par la suite si cette chaîne vous plaît. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Je vous reprendrai plus tard, évidemment. Salut!
je vous reprends, on est mercredi, alors je sais plus, je crois qu'on est le 22 ou le 23. Normalement, si j'ai bien fait le montage, j'ai fait plein plein d'inserts. Là, on est en fin d'après-midi, on est rentré, on a été à Sarlat ce matin au marché. Je crois pas que je vous ai mis d'inserts de ça, mais par contre, j'ai fait beaucoup d'inserts. Ensuite, on est allé au jardin d'Erignac. Donc moi, j'y étais jamais allée. Ce sont des jardins entretenus par des particuliers, par des particuliers. Et on peut les visiter, il y a plein d'explications et c'était génial, c'était vraiment super. Alors je pense qu'au printemps, ça doit être encore plus beau parce qu'il y a toute la végétation qui a poussé et tout ça. Mais il y a quand même tout le buis qui est taillé et puis c'est super beau, c'est très poétique. On entendait les oiseaux partout, il y avait très peu de monde, donc on a profité à fond, c'était génial, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il y a quelques années, on avait fait les jardins de Marquessac que j'avais beaucoup aimé. Mais là, c'est pas la même ambiance, c'est plus. Alors peut-être que c'est dû au fait que c'est pas la même saison et que du coup il y a moins de monde et voilà, c'est plus posé, plus. Ça amène plus à la contemplation, voilà, c'était très très agréable. J'ai avancé un tout petit peu hier dans mes tricots et mes lectures. Normalement, aujourd'hui aurait dû sortir l'update, donc je l'ai pas mis. Et en fait, c'est bête parce que je pouvais pas prévenir. Alors vous qui êtes sur YouTube, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont que sur YouTube. Je ne sais pas du tout parce que des fois je vois les noms des abonnés, des fois je les vois pas. Je pense qu'on peut s'abonner de manière anonyme ou pas. Je ne vais pas trop chercher, j'avoue. Et donc du coup, pour prévenir les gens, en fait, j'ai qu'une possibilité, c'est via Instagram, puisque pour avoir accès à l'onglet communauté, il faut que j'ai au moins 1000 abonnés. Pas tout de suite. Donc du coup, je suis désolée s'il y a des personnes qui sont que sur YouTube et qui n'ont pas vu l'update, j'ai pas pu vous prévenir. Mais comme je vous disais, j'ai terminé que il n'y a que la faucheuse que j'ai terminée. J'ai repris le sorceleur que j'ai bien avancé. J'en suis ici. Et en fait, il me reste deux chapitres. Je ne sais pas si je vais lire un chapitre aujourd'hui, un chapitre demain. J'en sais rien. Il y a 50 pages par chapitre. Peut-être, après tout, pourquoi pas. Peut-être que je l'aurai terminé demain soir. J'ai pas commencé la librairie de Téhéran. Ou le libraire de. Je crois que c'est la librairie. C'est pas Téhéran. Si, c'est Téhéran, je crois. Parce que je me suis dit que je vais regarder les livres qui me restent et que comme je vais faire Mars au féminin et que je ne lirai que des autrices, je vais privilégier. Je vais regarder dans les quatre lectures qui me restent, c'est-à-dire la d'Agatha Christie, bon, le Michael. Christie, d'ailleurs, Michael Christie. Et puis après, il y avait deux auteurs, et je ne sais plus s'il y en a une autrice ou si c'est deux autrices, bref. En tout cas, sur les quatre, je vais privilégier l'auteur, sur les quatre. C'est-à-dire certainement Michael Connelly, Michael Connelly, je ne sais plus. Christie, pas Connelly. Christie, parce que, comme c'est sûr, je ne lirai pas en mars. Donc, bref, je vais voir, sachant que sur avril, je ferai une pile à lire de tout ce que je n'ai pas pu placer sur Mars au féminin parce que c'était des autrices, et sur avril, sur mai, parce que mai est le mois de la fantaisie, donc je vais lire majoritairement de la fantaisie. D'ailleurs, je ferai la même chose que j'ai faite sur le vlog précédent, c'est-à-dire je vous montrerai ma pile à lire d'avril, et comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Quand je rentrerai là, je ferai ma pile à lire de mars, parce que je vais rentrer, je préparerai ma vidéo pour l'update plus ma pile à lire de mars, et je vais inclure dedans automatiquement tous les livres que vous m'avez mis en commentaire. J'ai vu qu'il y en avait certains qui revenaient, notamment Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, et il y en a d'autres, et en fait, je suis super contente d'avoir pu vous proposer cette formule-là, parce que comme ça, je vais vraiment lire en fonction de vos recommandations. Et voilà, je suis très contente de. Que vous ayez joué le jeu, merci beaucoup. Donc je referai ce jeu-là tous les mois. Bref, j'ai avancé sur le sorceleur. Comme d'habitude, j'ai du mal à me plonger dedans. Et une fois que je suis dedans, j'ai aucun problème et je ne comprends pas pourquoi j'ai du mal à me plonger dedans. C'est le livre 5, 2022. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, si je l'ai dit hier ou pas. 2022, je termine la saga du sorceleur. Il me reste deux tomes de la suite, plus un tome bis. Donc je la termine parce que je la traîne depuis trop longtemps. J'en ai un peu marre de la traîner, cette série. Enfin, j'aime bien en même temps. Je sais pas, c'est vrai que j'aime bien y replonger. Bon, peut-être qu'une fois que je l'aurai terminé, je vais regretter que ça soit déjà terminé. Bon, c'est la contradiction de on a envie de terminer une série et en même temps, quand elle est terminée, on est triste. Je sais que j'ai reçu mon colis avec mes livres chez moi, parce que mon compagnon les a réceptionnés.
Donc, je ne vous les montrerai pas dans ce vlog, parce que ce vlog, je le terminerai vendredi, je le clôturerai vendredi, et je le monterai, finirai de le monter vendredi, je le mettrai en programmation samedi, parce que samedi, il sort samedi matin, et le temps, ça met pas mal de temps à se mettre sur YouTube, donc je le clôturerai, donc du coup, vous le verrez, oh, j'ai accroché un petit fil, vous le verrez, je ferai l'unboxing dans le prochain vlog, et je pense que je mettrai des photos sur Instagram au moins des livres. Voilà. J'ai bien avancé ma manche, ma deuxième manche, j'en suis ici, je l'ai commencée hier soir. Voilà, en écoutant Laura's Reading qui parlait, elle faisait son week-end, elle a posté le week-end à 1000 et puis elle a mis son dernier. Qu'est-ce que c'était? C'était un up Non, c'est pas un update, mais je sais plus, son dernier vlog, quoi. Très sympa. Voilà, et j'ai pas beaucoup avancé, mais je me suis rendu compte que je peux pas trop tricoter avec trop longtemps avec les petites aiguilles. Parce qu'au bout d'un moment, ça me fait mal, j'ai mal à l'intérieur de la main. Donc je pense que c'est une technique qui se prête vraiment au tricot continental. Et comme je tricote pas continental, mais je tricote normal, entre guillemets, ben voilà, je me retrouve avec des petites douleurs. J'ai pas trop avancé sur mon avenat. J'ai même pas avancé, je crois, depuis que je vous ai montré les inserts. Je vous ai montré la version de ma maman qui le fait également. Et donc du coup, là, je vous remontrerai. Je vous remettrai des inserts. De toute façon, c'est le principe. Je vous mets des inserts, je viens parler. Je vous mets des inserts, je viens parler. Je ne savais pas quelle formule j'adopterais pendant les vacances, mais finalement, ça s'est très vite mis en place et je trouve que ça fonctionne bien. Demain, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. On va peut-être visiter un château ou pas. Voilà. Là, on a eu vraiment une chance incroyable au niveau du temps parce qu'il a fait vraiment très très beau. Donc, on a pu profiter à fond. Vous avez vu sur les images, c'était ciel bleu. Là, on ne voyait pas, mais j'ai pris quelques couleurs. Ça se voit pas sur la vidéo, mais j'ai pris quelques couleurs. J'ai pas une peau qui se prête beaucoup au soleil. Bon, je vous laisse. Je vais continuer ma manche et prendre un petit thé et me poser un petit peu. À plus tard.
coucou tout le monde. Alors, on est jeudi. Alors, je sais pas, je crois qu'on est le 24. Normalement, si j'ai bien fait mon travail de montage, vous avez vu les inserts ce matin, cet après-midi, on est allé au château de Bénac. Donc, c'est un château que j'ai déjà visité plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Là, ça fait quand même quelques fois que j'y vais, donc ça fait 3 fois, donc je vais peut-être faire une pause. Du coup, voilà, on a vu une partie, parce qu'on avait vu de la préhistoire jusqu'à maintenant, on avait vu de la préhistoire, on avait vu Sarlat, la ville, et du château, enfin les jardins. Donc là, on a vu un autre pan de l'histoire de la région aussi avec la partie médiévale. Donc c'était super. Hier soir, j'ai avancé un petit peu sur mes lectures, je ne l'ai pas pris là, mais il me reste un chapitre du Sorceleur. Non, c'est ce matin d'ailleurs que je l'ai avancé, s'il est là en plus. Il me reste 60 pages, 70 pages, quelque chose comme ça. Alors c'est marrant parce que j'ai vu un avis lecture ce matin, enfin tout à l'heure, qui est très vrai, je trouve. C'est que bah, des fois, on se paume un peu, il y a tellement de noms qu'on a tendance à se perdre dans ce livre. Mais bon, ça reste quand même une super saga. J'ai avancé sur ma manche, mais je ne l'ai pas fini. Hier soir, j'ai fait un petit peu du jacquard et puis on a regardé un film hier. Parce que là où on est, il y a la télé et du coup, il y avait un film qu'on voulait voir. Bref, on l'a vu, qui s'appelle Au nom de la Terre et qui est un film qui m'a beaucoup retourné. Alors, moi, je suis quelqu'un de très sensible aux images. Et là, ça parlait de la détresse des agriculteurs et voilà, c'est très bouleversant. Si vous l'avez pas. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir parce que ça ouvre sur une réalité dont j'avais conscience parce que je sais que moi, par exemple, au sein de mon foyer, on essaie de consommer directement au producteur au maximum, dans un cercle très, très, en circuit court, on essaye de consommer local, donc du coup en circuit court. Alors après, bio, évidemment, si on peut, après, ça dépend du budget de chacun. Mais c'est vrai que voilà, on consomme moins, mais on essaye de consommer mieux et surtout. En prenant en compte toutes les parties de tous les différentes personnes qu'on va avoir au niveau de la production, en fait. Donc, les producteurs, les maraîchers, tout ça. Et bah, vu qu'on fait pousser nos légumes nous-mêmes, c'est vrai que forcément, on est plus sensible à ça. Et hier, c'était très dur. C'était très, très, très dur. Et voilà. Moi, j'ai une sensibilité à ça qui m'a. Ça m'a fait pleurer. Bref, voilà. Sinon, je vais avancer sur mes lectures et mon tricot parce que je voudrais faire les photos demain pour le Lady Rose. Oui, le Lady Rose. Parce que samedi sort le patron. Demain, je terminerai, je clôturerai le vlog parce que le temps qu'il s'exporte, c'est assez long et le temps qu'il se mette après en ligne, c'est assez long. Et comme samedi matin, je serai en voiture, je vais pas pouvoir le faire. J'ai cette semaine, j'ai moins avancé sur mes tricots, sur mes lectures, mais j'ai quand même fait des. Voilà, ça a été une super semaine pleine de belles visites. On ne sait pas encore ce qu'on va faire demain. Peut-être qu'on se baladera juste comme ça. Mais c'est vrai que c'est une région qui est très très riche au niveau du patrimoine et c'est super de pouvoir faire ces visites. Moi, j'ai pas toujours fait autant de visites. Là, j'en ai profité parce que l'occasion se présentait, qu'on a quand même eu 2 années où on a beaucoup moins visité, donc ça donnait envie de le faire maintenant, tant que c'est possible. Évidemment, dans la mesure du possible, tout le monde ne peut pas. Bref. En tout cas, c'était très chouette. Avec un temps, on a eu quand même la chance d'avoir ce temps merveilleux qui nous a quand même poussé à la découverte, à la balade et tout ça. Voilà. Et puis, au niveau de mes lectures, j'ai fait un petit peu le point. Je pense que je vais attaquer le livre que j'avais en lecteur de l'extrême, là, celui écrit par l'auteur de La Guerre des Clans, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, mais je vais l'attaquer parce que c'est un très jeunesse, il écrit très gros. Et comme en rentrant, je vais avoir mon paquet de la fameuse maison d'édition et que je voudrais lire tout de suite un des 2 livres qu'il y a dans ce fameux paquet, je ne vais pas entamer un livre. Je vais l'avoir le prochain livre du paquet mystère, je vais l'avoir samedi. Donc je voudrais le commencer samedi. Donc je vais pas, là je vais terminer le sorceleur aujourd'hui ou demain. Donc pour faire la transition, on va dire je vais prendre ce livre jeunesse. Je voulais commencer Michael Christie lorsque le dernier arbre, mais il est beaucoup plus gros, donc je pense que je le lirai en parallèle ou alors tant pis, je le basculerai sur le fameux mois d'avril avec le fameux mois de toutes les lectures que je n'ai pas pu faire et que je ne pourrai pas faire et le mois de la frustration, on va dire. Voilà.
Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai demain pour clôturer le vlog et pour faire le point un petit peu sur cette semaine et sur mes lectures. Et puis voilà, je vous laisse avec ce que j'ai. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. Coucou! Alors, je vous prends une dernière fois. On est vendredi, je viens clôturer ce vlog. Donc, du coup, là, normalement, dans les inserts que vous avez vu notre journée. On a passé la journée à faire un parcours TerraVentura. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, que vous ayez des enfants ou non. TerraVentura, c'est une TerraAventura, je crois, ça s'appelle, ou TerraVentura. C'est une application qu'on peut télécharger et en fait le principe c'est qu'on va avoir des aventures dans certaines villes et alors donc on suit sur le téléphone et on va suivre un parcours qui est indiqué avec des points, là on avait 7 points je crois, où on a des petites choses à découvrir du patrimoine du coin. Là, c'était un parcours assez gros parce qu'il faisait plus de 7 km, je crois. Donc, on a bien, bien marché. On a eu un temps magnifique. Donc, du coup, c'était vraiment très, très chouette. Alors, à la fin du parcours, de tous les parcours TerraVentura, vous avez une cachette, en fait. Et dans cette cachette, vous avez un badge. Je l'ai pas avec moi. Et c'est le petit badge. C'est le petit... Enfin, d'ailleurs, je ne vous le montrerai pas parce que si vous faites ce parcours comme ça, vous aurez la surprise. C'est un petit badge à chaque fois avec le dessin du personnage où on a suivi l'aventure. Donc c'est toujours les mêmes personnages, mais la couleur change et tout ça. C'est le troisième parcours TerraVentura que je fais. J'en avais fait un dans les Landes. J'en avais fait un à Aubusson et j'ai fait celui-là. C'est toujours très sympa parce que ça permet de faire une activité gratuite parce que c'est pas payant, c'est avec l'application du téléphone. Et de vraiment découvrir les spécialités locales. Il y avait des... C'était autour de la noix et tout ça. Donc, c'était vraiment très, très sympa. Mais voilà, faut partir bien chaussé et puis faut bien marcher, quoi. Nous, on a eu bien 2 heures de marche, quoi. Donc, c'était bien physique. Mais c'était très chouette. Ça vient clôturer cette semaine magnifique de visites qu'on a pu faire. Donc, j'ai eu la chance de faire vraiment une semaine autour de l'histoire. Alors, l'histoire du coin, l'histoire de manière générale, puisqu'on a vu... de la préhistoire avec Lascaux et avec le parc du Thot, on a vu, et le musée de la préhistoire, on a vu une période médiévale avec le château de Bénac, on a vu, et un peu plus après, parce que je crois qu'on est autour du 15e avec les jardins d'Erignac, et de la nature avec aujourd'hui le parcours de TerraVentura. Je ne pars pas toujours en vacances comme ça, hein, ce n'est pas toujours le cas, là c'était vraiment, on avait envie de suivre une thématique très...
très culturel, très très local, enfin, et en même temps voilà de profiter à fond du patrimoine du coin. Ça m'a permis vraiment de me couper de couper un petit peu avec mon travail, même si j'ai quand même travaillé, mais ça m'a permis vraiment de couper. C'était super agréable. Je vous ai montré à la fin, on a terminé par une petite crêpe et une petite gaufre. On a fini dans Sarlat. Et puis c'était très chouette. Je n'ai pas terminé le sorceleur. Je crois qu'il me reste 20 pages, donc 15 pages, je crois même pas. Donc je vais le terminer ce soir. Et je vais attaquer du coup le livre sur les lions. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Everland, je crois, quelque chose comme ça. Et je vais finir mon Lady Rose ce soir et je ferai les photos demain matin avant de partir. Je pense que je vais le terminer ce soir. Donc je vous le montre pas là, mais je le montrerai. Je pensais le porter d'ailleurs. Ça, c'est un gilet de triple L de mag, mais voilà, j'aurais pas eu le temps de le terminer aujourd'hui parce qu'on a vraiment, j'ai vraiment très peu tricoté, donc je vais le faire ce soir. On a également profité de la semaine pour regarder des reportages. On a regardé l'Odyssée de l'espèce, le 1 et le 2. Bon, ça a très très mal vieilli. Et puis il y a des, au niveau des effets spéciaux. Mais bon, il y a des choses qui ont changé, des données qu'on a en plus depuis sur la préhistoire. Mais c'était chouette de garder cette immersion. On a regardé également un reportage sur les pays de l'Est hier parce que c'est un peu d'actualité. Donc voilà, c'est sur Arte, c'était super intéressant. Mais voilà. Bref. Et puis le film sur l'agriculteur dont je vous ai parlé qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversée. Mais voilà, ça a été une semaine super riche, super dense. Je ne sais pas du tout si vous connaissez la région de la Dordogne et du Périgord noir, mais vraiment, c'est super. Petite pensée à Ben parce que je sais que si tu passes par ici, je sais que tu connais. Et j'ai pensé à toi en étant aux Ésies d'ailleurs. Voilà, j'ai vu que, comme je vous disais, vous étiez beaucoup plus nombreux sur la chaîne aujourd'hui que vous ne l'étiez au dernier vlog, donc il y a une semaine. Donc je suis super heureuse de vous accueillir sur cette chaîne avec un décor, le décor prise, le décor spécial. Je fais toujours bien mes mentales. Hop, voilà, on va se mettre comme ça. Du coup, j'espère que ce que je vais vous proposer vous plaît. En rentrant, je vais travailler, je vais faire ma pile à lire. Alors, pas tout de suite, mais je vais vous. Alors, en rentrant, je vais prendre de toute façon l'insert de mon unboxing sur la maison d'édition. Je les mettrai sur Instagram aussi, vous les verrez avant du coup. Et je vais aussi préparer ma pile à lire du mars au féminin avec vos suggestions sous le dernier vlog. Merci encore une fois, c'était super de faire cet échange avec vous. Comme je vous disais, je ferai ça pour le mois prochain, pour le mois d'avril également. Et je pense que je le ferai à chaque mois parce que c'était vraiment chouette. Je vais essayer de voir un petit peu parce que Flow & Books, elle a fait des catégories, parce que c'est elle qui a créé le challenge. Donc je vais essayer de voir si je peux faire rentrer des livres dans les catégories. Je vais également commencer à partir du 1er mars une lecture commune autour du livre du pavé Les Chevaliers des Highlands, je crois. Alors peut-être qu'on lira le 1, le 2 et le 3, ou peut-être qu'on lira que le 1. Pour l'instant, il y a une personne. Pour l'instant, il y a eu qu'une personne à chaque fois qui s'est. Enfin, c'est déjà énorme, une personne qui s'est manifestée sur chaque pavé. Pas sur chaque, mais sur plusieurs pavés. Donc, sur le mois de mars, c'était automatiquement le Chevalier des Highlands. Et après, je sais plus ce que c'est. Je l'ai noté sur un cahier chez moi, donc je vous redirai ça. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou sur Instagram ou même à mettre un petit commentaire sous cette vidéo ou sous celle de la présentation des pavés pour me dire quel livre vous plairait en lecture commune. Alors, peut-être contactez-moi plus sur Instagram parce que je fais après une discussion autour des lectures communes. Vous pouvez vous y greffer sans souci. Vous pouvez aussi vous y greffer et ne pas tenir la lecture. Ou alors vous pouvez vous y greffer et ne pas suivre le découpage que je vous propose. Vous êtes complètement libre de faire comme vous le souhaitez. Si vous voulez juste échanger en début et en fin de lecture, vous êtes libre de le faire. Je vous rappelle que si vous voulez voir les titres que je propose sur les lectures pavées de 2022, vous allez sur mon Instagram, directement sur ma page, et vous allez sur le médaillon pavé 2022 et vous avez la présentation. Il n'y a pas de mois défini, comme je disais, sauf certains qui ont commencé Il y a certaines personnes déjà qui m'ont contacté, donc on a déjà commencé à caler certaines lectures, mais voilà, il y en a eu deux ou trois, je crois. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Ça a été un véritable plaisir de vous partager tout ça et j'espère que ça vous aura donné envie, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous vous sentirez bien sur cette chaîne, que vous y trouverez ce que vous voulez. Je suis extrêmement contente de vous accueillir. Je vous retrouve très très vite dans un prochain vlog. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Salut!